Voilà. Voilà, alors, bismillah. Bon, la diode, qu'est-ce que c'est que la diode? La diode, normalement, vous la connaissez, c'est un composant électronique. Donc, c'est un dipôle. Il possède deux bornes, d'accord? Son schéma électrique, donc, c'est celui-là. Il a monté. Donc, le schéma électrique, c'est celui-là. Comme vous voyez, donc il a la forme d'une flèche, d'accord? Il a la forme d'une flèche. Et justement, c'est cette flèche qui indique le sens du passage du courant. Parce que la propriété principale de la diode, c'est elle ne laisse passer le courant que dans un sens, et c'est le sens de la flèche. OK? Voilà. Donc, bien sûr, c'est comme un récepteur. Donc, le courant dans un sens et la tension dans le sens opposé. Alors, maintenant, si on compare ce composant électronique avec, par exemple, la résistance, eh bien, il faut juste voir les caractéristiques de ces deux composants. Alors, la caractéristique de la résistance, comme vous voyez, vous avez une variation linéaire, c'est-à-dire U, c'est RI. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a I égale à U sur R. Oui, I, c'est U sur R, parce que là, j'ai représenté I en fonction de I. Si je représente U, c'est-à-dire V, R, en fonction de I, j'aurai pratiquement la même chose. Mais en tout cas, là, c'est une variation linéaire, c'est-à-dire que d'après la loi d'Ohm, V égale à RI. Et puis, comme vous le savez, pour la résistance, le courant peut passer dans les deux sens sans problème et ça se comporte comme un récepteur. Donc, courant est dans le sens opposé à la tension. D'accord? C'est un composant linéaire. Par comparaison avec la diode, non. La diode, regardez la caractéristique de la diode. C'est-à-dire que si vous représentez IB en fonction de VD, ici, IB en fonction de VD, eh bien, voici ce qu'on obtient pour la caractéristique. Elle varie de façon, ici, de façon exponentielle, regardez. Et puis après, là, c'est une courbe. Hein. Et puis, pratiquement, là, c'est linéaire. Mais là, c'est une courbe. Et puis, là, pour les tension négative, eh bien, le courant est pratiquement nul. Le courant est pratiquement nul, mais à une certaine tension, ça devient important. Le courant inverse devient important. En tout cas, on va revenir sur cette caractéristique. Bon, maintenant, on passe au slide suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que la diode? En fait, la diode, elle est réalisée par une jonction PN. Bon, pour la diode, je vais donner une explication physique, non quantitative pour le moment. Parce que si j'utilise, c'est-à-dire une explication quantitative, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais devoir donner l'expression du courant. Il y a une forme exponentielle, je devrais parler de bande d'énergie, etc. Mais non, moi, ce que je vais vous donner là, avant cette année, parce que ce qui nous intéresse, nous, en électronique, cette année, c'est la diode dans les circuits. Mais on ne peut pas entamer directement la diode dans les circuits alors qu'on ne connaît pas. On doit apprendre, on doit voir. Comment elle est la diode, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que la jonction PN. Donc, je vais donner une explication physique, mais pas quantitative. Alors, nous allons donc aborder ici la diode. La diode, donc elle est réalisée par une jonction PN. Alors, cette jonction, comme vous voyez ici, elle est réalisée par une jonction PN. Alors, qu'est-ce que c'est que la jonction PN? C'est la mise en contact entre un semi-conducteur type P et un semi-conducteur type N. Alors ici, dans cette définition, il y a des mots-clés. Il y a d'abord la jonction PN,
il y a le semi-conducteur P et le semi-conducteur N. Donc, nous allons, dans ce qui suit, nous allons apprendre qu'est-ce que c'est qu'un matériau semi-conducteur et puis qu'est-ce que c'est que la jonction PN. Et puis, qu'est-ce que c'est que le semi-conducteur type P et qu'est-ce que c'est que le semi-conducteur type N. Alors, les matériaux en général, c'est-à-dire on peut classer les matériaux selon leur conductivité électrique. Alors là, on distingue les matériaux conducteurs. Les matériaux conducteurs sont donc des matériaux conducteurs, ils conduisent l'électricité, c'est-à-dire qu'en fait, si vous branchez, une pile, c'est-à-dire un générateur, et puis vous mettez un conducteur, donc vous branchez dans le circuit, là, il y aura passage du courant. D'accord? Donc, ce conducteur conduit de l'électricité. Et donc, c'est un conducteur. Et les éléments dans le tableau périodique qu'on connaît comme étant conducteurs, c'est surtout les métaux. Donc, il y a le cuivre, l'aluminium, l'or, l'argent, le platine, les métaux nobles. Et la conductivité électrique, elle est donc située entre 0,66 et 10 puissance 6 et 10 puissance 2 siemens par centimètre. D'accord? Donc, ils ont une conductivité électrique importante. Il y a aussi les matériaux isolants. Alors les matériaux, donc nous sommes toujours, on est en train de classer les matériaux selon leur conductivité électrique. Il y a les matériaux isolants, comme le bois, le verre, les matériaux plastiques. Alors ces matériaux présentent une conductivité électrique très 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 faible. Donc elle peut aller de 10 puissance moins 9 jusqu'à 10 puissance moins 17 siemens par centimètre. Donc 10 puissance moins 17, c'est pratiquement zéro. Et même 10 puissance moins 9. Donc, elle est très faible et donc on peut considérer que c'est une conductivité nulle. Et puis, il y a les matériaux semi-conducteurs que, justement, qui font l'objet de notre cours aujourd'hui. Enfin, les matériaux semi-conducteurs qui est à la base de la diode. Alors, les semi-conducteurs sont des matériaux qui sont ni conducteurs ni isolants. Donc, ils sont classés entre les deux. Ils ont une conductivité électrique comprise entre 10 puissance 5 et 10 puissance moins 4 siemens par centimètre. Ces matériaux, on distingue le silicium, le germanium, et puis ils peuvent se présenter sous forme de composé, c'est-à-dire la binaire, composée, c'est la combinaison entre deux éléments, comme l'arsénure de gallium. Alors, sur le tableau périodique, vous pouvez ici voir la position de ces éléments sur le tableau périodique. Comme je l'ai dit, là, vous pouvez voir, ils sont là. Donc, c'est la quatrième colonne. Donc là, vous avez le silicium, le germanium, le carbone, tous les éléments qui sont connus comme étant semi-conducteurs, le silicium, le germanium. Juste à noter. Voilà, donc c'est dans cette colonne. Là, je vous ai présenté dans le matériau, l'élément qui est le plus connu, le plus utilisé, c'est le silicium. Alors, la quatrième colonne, donc là, vous avez germanium, silicium. Ce matériau semi-conducteur peut être formé, c'est-à-dire par la combinaison de deux éléments, et ainsi, on va l'appeler, c'est un matériau binaire, c'est un alliage binaire, c'est un semi-conducteur binaire. Par exemple, on peut mettre les deux, silicium ou carbone, ou bien silicium germanium. D'accord? On mélange. Comme on peut combiner, c'est sera la combinaison entre deux éléments de la colonne 3 avec la colonne 5. Par exemple,
Là, vous avez le GAS. Le GA, il est dans la colonne 3 et l'arsenic, il est dans la colonne 5. Donc là, c'est binaire. Vous pouvez avoir le GAP. P, c'est le phosphore. Donc GAP. On peut avoir l'indium et le phosphore. L'indium, il est là, le phosphore, il est là. Et puis l'indium, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, scrobium, quelque chose comme ça. Donc, c'est la bonne maison de deux, et on a d'autres. Et il peut être, il peut se former à partir du ternaire. Le ternaire, donc par exemple l'aluminium, GA, l'arsenic, ou bien GA, phosphore, ou bien il peut être quaternaire, d'accord? Et voilà. On peut aussi les former à partir de la colonne 2, je crois, avec la colonne 4. D'accord? Il peut être aussi formé entre la 4 et la 4, c'est-à-dire en silicium germanium. Donc, voici les semi-conducteurs. En fait, les semi-conducteurs qui sont utilisés. Mais le plus utilisé, c'est l'élément pur, le silicium. Bon, là, vous avez une idée sur le matériau semi-conducteur. Maintenant, comme on l'a dit, les semi-conducteurs appartiennent à la quatrième colonne de la classification périodique des éléments. Alors, l'atome de silicium, par exemple, possède 4 électrons de valence, c'est-à-dire 4 électrons sur la dernière couche. À 0K, donc on va expliquer ici la propriété, si vous voulez, principale du semi-conducteur. C'est qu'à 0K, je vais annoncer. À 0K, c'est un matériau. C'est un matériau comme vous voyez stable et puis chaque c'est-à-dire vous avez 4 liaisons covalentes par atome, d'accord, 4 liaisons covalentes, c'est-à-dire chaque électron, 2 électrons sont partagés entre 2 atomes, c'est ce qui constitue la liaison covalente. Donc vous avez 4 liaisons covalentes par atome et là le cristal il est isolant. Par contre, quand la température augmente, l'énergie thermique entraîne la vibration des atomes. Donc, certains électrons peuvent acquérir de l'énergie suffisante pour briser la liaison covalente et devient libre. Donc, cet électron, par exemple, sur ce schéma, l'électron qui était ici, donc, il acquiert l'énergie suffisante pour quitter, pour se libérer de l'atome, de la liaison, et il laisse à sa place ce qu'on appelle un trou libre. Donc là, on définit donc l'électron quand il se libère, quand il devient libre, il laisse à sa place un trou libre. D'accord? Et là, donc, le trou et les électrons, on les appelle porteurs libres. À la température ambiante, votre matériau devient conducteur, votre semi-conducteur devient conducteur, mais en fait, si vous faites la somme, c'est-à-dire le nombre d'électrons libres est égal au nombre de trous libres. Il est pratiquement équilibré. OK? Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Là, en fait, les semi-conducteurs, on distingue deux types. Il y a les semi-conducteurs intrinsèques, donc le cristal est pur, comme on vient de le voir ici. C'est un cristal pur en silicium, c'est-à-dire il n'y a pas un autre élément. Et là, il y a aussi les semi-conducteurs extrinsèques. Alors, qu'est-ce que c'est que les semi-conducteurs extrinsèques? Alors, un semi-conducteur extrinsèque, c'est qu'on introduit des atomes étrangers, d'accord? Et on appelle cette opération dopage. Alors, le dopage d'un cristal intrinsèque consiste à faire quoi? À substituer des atomes de semi-conducteurs du réseau par des atomes étrangers. On va donc introduire des atomes
étranger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on voudrait que les porteurs majoritaires soient des électrons, les porteurs libres, bien sûr, majoritaires soient des électrons, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va substituer des atomes pentavalents. Pentavalents, ça veut dire quoi? C'est des atomes qui possèdent, la valence, dans la valence est égale à 5, c'est-à-dire 5 électrons sur la couche extérieure. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va produire? On va créer un électron libre. Par contre, dans le cas dopage type P, là, on introduit des atomes étrangers, des atomes dont la valence est, ils sont trivalents, c'est-à-dire la valence est égale à 3. Trivalent veut dire qu'ils ont 3 électrons sur la couche extérieure. Donc, là, ça va créer un trou. Ça va créer un trou. D'accord? Donc, je répète, le dopage d'un cristal intrinsèque consiste à substituer des atomes du semi-conducteur du réseau par des atomes étrangers. Alors ici, deux cas peuvent se présenter. L'un dopage de type P et un dopage de type N. Alors le dopage de type P, c'est l'introduction d'atomes trivalents. Trivalents. C'est-à-dire chaque atome d'impureté crée un trou. Et donc dans ce cas, les porteurs de charge majoritaires seront les trous. Les porteurs minoritaires, c'est ça des électrons. Il reste toujours des porteurs minoritaires. Hein. Dans le cas d'un dopage type N, eh bien, on introduit des atomes pentavalents. Donc, chaque atome d'impureté crée un électron libre. Et donc, les porteurs majoritaires seront des électrons et les porteurs minoritaires sont les trous. Bien sûr, ce que je voulais dire ici, c'est que dans le cas d'un dopage type P, c'est-à-dire que le fait d'avoir un trou comme ça, donc ce trou, il ne demande qu'à être comblé par un électron. Donc, il y a certainement un électron libre qui est quelque part, il va le combler, et puis, donc, on va avoir un million négatif plus un trou qui se balade. D'accord? Et de même ici. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la jonction PN. Pour la jonction PN, pour la jonction PN ici, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On réalise cette jonction en mettant en contact un semi-conducteur. Excusez-moi une minute. Hein. Excusez-moi, salam alaikum. Donc, on était dans la jonction PN. Donc, elle est réalisée en dopant une partie d'un semi-conducteur d'un semi-conducteur P et l'autre partie, on la dope N. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer là? Donc la mise en contact de ces deux semi-conducteurs, eh bien certainement il y aura diffusion des électrons de la
de la partie dopée N vers la partie dopée P1. Donc, si vous mettez en contact deux semi-conducteurs comme ça, certainement, les porteurs majoritaires de la partie N, ce sont les électrons, ils vont donc diffuser dans la partie P. D'accord ? Pour recombiner, donc, électrons trou. Et donc, qu'est-ce qui va se produire ? Il y aura création de zones de déplétion délimitées de part et d'autre de la jonction par des charges d'espace. Les charges d'espace, ce sont ces ions, d'accord, que vous avez ici. Donc, de part et d'autre, vous aurez ces charges d'espace. Et donc, il y aura création qui, ces charges d'espace, vont créer donc un champ interne, donc dirigé vers les ions négatifs, dirigé dans ce sens. Et de ce fait, donc, le fait qu'on ait un champ électrique, donc il y a certainement une DDP ici, une différence de potentiel, qu'on appelle V0, et donc c'est une barrière de potentiel. Donc à un certain moment, donc à l'équilibre, on a ce champ électrique, et on a cette différence de potentiel qui s'oppose à la diffusion de ces électrons, les électrons libres de la partie N vers la partie P. Donc, à un certain moment, ça va s'arrêter, ils ne vont plus migrer vers la partie P. D'accord ? Donc, c'est ça la jonction PN. Ainsi, elle se présente sous cette forme. Voilà. Maintenant, on peut, donc, dans un circuit, enfin, avant d'entamer la diode dans la circuit, mais juste, si on polarise la diode, donc il y a deux façons de faire. Donc il y a une polarisation en inverse et il y a une polarisation en direct. Une polarisation en inverse, c'est qu'on relie la borne négative à la borne positive ici, qui est P. D'accord ? Parce que quand je dis semi-conducteur de PP, c'est qu'il y a plus, les porteurs majoritaires sont des trous. Donc, les trous, alors, considérés comme une charge positive, hein, entre guillemets. Donc là, la borne négative du générateur, elle est branchée avec la partie P, donc PP. D'accord ? Donc, c'est une polarisation en inverse. Et puis, la partie positive du générateur, elle est reliée ou à la partie d'OPN. Donc là, c'est une polarisation en inverse. Alors, la polarisation en inverse, qu'est-ce qui va se passer? En dehors du circuit, vous avez un champ dans le même sens que le champ interne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que la DDP, elle va augmenter et le champ, il est plus intense. Et donc, il n'y aura pas de passage du courant. C'est-à-dire que le porteur majoritaire ici, par la partie L, ne pourront pas diffuser dans la partie P. C'est-à-dire que là, comme je l'ai écrit, le champ électrique extérieur appliqué par le générateur a le même sens que le champ interne, donc il renforce l'action. C'est-à-dire que l'action, elle est renforcée, donc aucun courant ne circule. En réalité, il y a un courant très faible qui existe de l'ordre du nano-ampère ou micro-ampère, je crois, enfin, c'est un courant qui est dû à quoi en fait? N'oubliez pas que dans la partie N, il y a des porteurs minoritaires. Donc les porteurs minoritaires qui sont ici les trous. Et puis dans la partie P, il y a les porteurs minoritaires qui sont les électrons. Donc il y a un passage d'un courant dans ce sens, c'est-à-dire de la partie P vers la partie N. Donc, mais comme ce sont des porteurs minoritaires, le champ, ce courant correspond à la diffusion de ces porteurs minoritaires est très, 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 très bon. D'accord? Maintenant, on va voir la polarisation en direct. Alors, la polarisation en direct, c'est-à-dire que je branche la borne positive du générateur à la partie donc PP, donc vous regardez pratiquement c'est le même, ils ont le même signe, d'accord. Et puis la partie la borne négative du générateur elle est branchée à la partie d'OPN. Dans ce cas, le champ
le champ extérieur, ici, créé par le générateur, il est dans le sens opposé du champ interne à la zone de déplétion, parce que cette zone-là, on l'appelle zone de déplétion. Et donc, ce champ-là, il va, le champ extérieur, comme il est plus grand que le champ interne, il va, si vous voulez, favoriser, si vous voulez, le déplacement des électrons de la partie d'OPP vers la N, vers la partie d'OPP. D'accord? Donc, il y a passage, dans ce cas, il y a un courant important qui traverse la jonction. Voilà, donc là, on a vu la jonction PN. Donc, si je reviens à la définition, voilà, définition que j'ai donnée tout à l'heure, je ne sais pas qui s'est joint à nous, je vais voir, attendez. Alors, on va voir les gens qui sont avec nous. Participants, nous avons 4. Donc, Mademoiselle Agrari, Monsieur Charlie et. Attendez, là j'ai. Monsieur Charlie, Mademoiselle Dahdour et Mademoiselle Ziyadi. D'accord, j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez des questions jusque-là, vous pouvez intervenir avant d'entamer la diode, la caractéristique de la diode. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, mademoiselle. Oui. Oui, attends. Celle-là, ici? Non? Oui. Oui. Donc, votre question, attendez, je vais annoter ici. Donc, ça concerne la polarisation en direct, c'est ça? Cette polarisation, on l'appelle polarisation en direct. Alors, regarde, ici, le champ créé par le générateur, il est dans ce sens. Tu es d'accord avec moi? Et le champ créé dans la zone de déplétion par les charges d'espace, il est dans ce sens. Il se trouve que le champ extérieur, il est plus important que le champ interne. D'accord. Le champ extérieur, il est plus important. Ce qui fait le champ total, il sera dirigé, il est dans le même sens que le champ extérieur. Parce que le champ total, ça sera E extérieur plus E intérieur. Donc, le champ résultant, ça va être, il sera dans le même sens que le champ extérieur. Tu es d'accord avec moi? Très bien. Maintenant, si d'après la loi de Coulomb, la force est égale à Q multiplié par E, n'est-ce pas? Voilà, la force électrique, c'est la charge algébriquement, hein, la charge, donc la force, je n'arrive pas à écrire ici sur le, je ne sais pas écrire, comment écrire sur l'écran, en tout cas, quand tu écris la force avec vecteur égale à Q, c'est la charge algébrique, donc c'est pas en valeur absolue, multiplié par le champ vecteur, donc F vecteur égale à Q, E vecteur. Maintenant, regarde, nous avons un champ qui est dirigé dans ce sens, et puis si j'ai les électrons dans la partie N
dans la partie N, qui sont majoritaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déplacer dans le sens contraire au champ électrique, soumis à la force électrique. C'est clair? Regarde, tu as la force, la force égale à Q multipliée par E. Alors, la charge ici, c'est un électron, donc il s'agit de moins E. D'accord? Donc, la force, elle sera dans le sens opposé au champ électrique. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et donc, c'est cette force électrique, les électrons, ils seront soumis, les électrons qui sont porteurs majoritaires dans la partie N, ils sont soumis à cette force électrique et donc ils vont diffuser vers la partie P. Et donc, là, il y aura passage du courant. Donc, ils vont traverser la jonction et donc il y aura passage du courant, contrairement à la polarisation en inverse. Est-ce que c'est clair? Très bien. Voilà. Maintenant, ce que je voulais faire, et pour les autres? C'est clair? D'accord, je continue. Je continue. Alors, regardez, si je reviens à la définition, enfin, à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la diode est réalisée par une jonction PN. Alors, on sait maintenant qu'est-ce que c'est qu'une jonction PN. La jonction PN est la mise en contact entre un semi-conducteur type P et un semi-conducteur type N. Donc, on arrive maintenant à décortiquer et à comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais utiliser cette diode dans un circuit. Mais avant, il faudrait bien comprendre que représente la caractéristique de la diode. Alors, cette caractéristique, c'est ID en fonction de VD. Bon, là, c'est écrit ID, je l'ai trouvé sur Internet, mais en tout cas, là, c'est VD, c'est la tension aux bornes de la diode. Alors, la caractéristique réelle, elle se présente comme ça. Donc, attendez. La caractéristique réelle, donc voici ça, la caractéristique réelle. Alors regardez, tout à l'heure on avait parlé de la polarisation en direct. Alors quand je polarise en direct, c'est que la tension, elle est, donc le champ, polarisation en direct, c'est-à-dire que le générateur, je suis dans ce cas. Oui, je suis dans ce cas. D'accord? Là c'est une polarisation en direct. Alors qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois, on essaye de déterminer, on met ici un ampère-mètre et un voltmètre, et on fait varier la tension ici, d'accord, et du générateur, donc variable, mais on va dire un potentiomètre, c'est-à-dire discontinu, des valeurs discontinues, et on cherche donc à tracer la caractéristique, d'accord. On met ici un ampère-mètre et puis on met un voltmètre. Et on a le courant en fonction de la tension. D'accord? Le courant en fonction de la tension. Alors, quand la diode est polarisée en direct, donc nous sommes dans ce cas. D'accord? Donc, c'est la partie positive. Donc, il y a un courant qui circule, comme on l'a dit tout à l'heure, mais là, sous forme exponentielle. Bon. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas mener une étude quantitative. C'est une étude physique, c'est une explication physique, juste pour comprendre le phénomène. Ce qui nous intéresse, c'est surtout dans les circuits. La partie positive. Donc là, ici, dans la partie positive, là, c'est la polarisation en direct. Mais donc lorsque la polarisation est en inverse, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un faible courant qui passe ici, qui représente le courant des minoritaires. Les minoritaires qui peuvent traverser la jonction, il est très très faible voilà. Et il s'appelle le courant de saturation. On l'appelle courant de saturation. Il faut juste savoir que la tension ici, là,
elle est faible. C'est-à-dire qu'on atteint pratiquement ce point-là, cette tension, pour le silicium à 0,6 ou à 0,65. En tout cas, ça se situe entre 0,6 et 0,7. D'accord. Donc là, pratiquement, c'est faible. Par contre, ici, c'est trop, c'est grand, hein, comme valeur négative. C'est-à-dire que ça continue comme ça jusqu'à pratiquement, on peut atteindre les moins 20, on peut atteindre les moins 50. Donc l'échelle ici, par rapport à celle-là, elle est vraiment dilatée. Là, voilà, d'accord. C'est-à-dire que les valeurs ici de la tension, elles sont très grandes, négativement, bien sûr. Alors, je vais vous expliquer donc maintenant cette caractéristique. Donc, en polarisation directe, ID, le courant ID varie de façon exponentielle en fonction de la tension VD. Alors, dès que la tension dépasse une certaine tension, appelée V seuil, justement, elle est très importante, V seuil de la diode, la caractéristique prend une forme linéaire. D'accord. Donc là, ça a une forme exponentielle, mais à partir d'une certaine tension, donc vous faites la projection ici, elle devient presque linéaire. D'accord. Voilà. Donc là, c'est une tension V seuil. Ensuite, en polarisation inverse, donc quand on polarise en inverse notre diode, si l'on augmente la tension inverse au-delà d'une certaine tension critique, donc là, c'est la tension critique, hein, parce que bon, tout ça, c'est toujours le faible courant qu'on appelle le courant de saturation. Et à partir d'une certaine valeur, qu'on appelle VZ pour le moment, c'est comme pour la diode zener, on va tout à l'heure voir la diode zener, la résistivité de la jonction diminue rapidement, et donc une augmentation brutale du courant inverse est notée. C'est-à-dire que le courant inverse devient très grand, et brusquement, d'accord. Deux effets donc peuvent se produire. Et puis pourquoi il augmente de cette façon? Parce qu'en fait, quand j'augmente la tension, qu'est-ce qui va se passer? Et il y aura deux effets peuvent se produire dans ce cas. Il y a l'effet Zener, le champ électrique dans la zone de transition, c'est-à-dire E interne de la jonction, devient important lorsque la tension inverse est augmentée. Ce champ peut rompre des liaisons de covalence. Donc, ce champ-là, il peut produire, c'est-à-dire il peut créer des trous, des électrons libres, des électrons libres et donc des trous, d'accord. Alors cet apport d'électrons libres, diminue la résistivité du matériau et le courant croît brutalement, d'accord. Donc cette limite dépend du circuit extérieur. Maintenant, il y a aussi, ça c'est l'effet Zener. Il y a aussi l'effet d'avalanche. Donc si le champ devient très important, les électrons peuvent arracher par collision les électrons aux atomes du réseau. Ces porteurs secondaires s'ajoutent aux porteurs primitifs et contribuent à libérer d'autres électrons par collision avec les atomes du réseau. Et donc, ça dégénère. Et puis, donc, ce phénomène d'avalanche, rapidement, cumulatif, conduit à un courant très très important qui peut même détériorer la jonction. Et donc, c'est ce qu'on appelle la zone de claquage. La diode, elle va claquer et donc, là, ça ne sera plus utilisé. OK? Donc, ça, c'est concernant la caractéristique réelle. Voilà. Pour tenter l'étude analytique d'un circuit donc contenant une diode, dans la plupart des cas, on linéarise la caractéristique. C'est-à-dire, on ne veut pas traîner avec nous dans une équation de Mayer ou des choses comme ça, la forme exponentielle du courant. D'accord? V en fonction de V. Donc, là, on va chercher à linéariser cette caractéristique pour que ça soit plus pratique. D'accord.
Pour cela, donc, nous avons, il y a le modèle de la diode idéale. Alors, bon, du moment que VS est très très faible, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que, on prend ce modèle-là, c'est-à-dire que la diode, elle est soit bloquée, soit elle est passante. Donc, est-ce qu'elle est passante? Donc, pour B, lorsque le courant est positif. Le courant, il peut, donc, quand le courant est positif, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a un courant, donc la diode est passante. Là, c'est qu'on prend la tension seuil, V seuil, on considère qu'elle est égale à zéro. Elle est égale à zéro. C'est-à-dire, lorsque la tension, elle est négative, 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 donc la tension devient nulle, donc le courant, le courant, il devient positif. Il devient, donc la diode devient passante. Et donc, le schéma équivalent dans ce cas, c'est un court-circuit. C'est un court-circuit. D'accord? Donc là, pour des tensions supérieures à zéro. D'accord? Il suffit c'est-à-dire V seuil égale zéro. V seuil égale zéro. D'accord? Bon, là, je crois que j'ai mal, je vais revoir cette écriture ici. V seuil égale zéro. V est supérieur à zéro. Donc, ne regardez pas trop cette écriture. Hein. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que V seuil égale zéro. La diode, elle est passante. D'accord? Et le schéma équivalent, c'est un interrupteur fermé. Donc, la diode se comporte comme un interrupteur fermé. C'est un court-circuit. En inverse, la diode est bloquée. D'accord? Donc, quand elle sera bloquée? Lorsque la tension est inférieure à V seuil. V seuil, gagné, c'est zéro. Donc, pour cela, le courant est nul. Donc, le courant est nul, ou bien, il n'est pas nul. D'accord? Et là, dans ce cas, la diode est bloquée, et puis, la diode, le schéma équivalent, c'est un interrupteur ouvert. D'accord? Ne regardez pas trop cette écriture, mais la revoir tout à l'heure. Alors. Donc, là, c'est le modèle de la diode idéale. Mais, pour s'approcher de la caractéristique réelle, qu'est-ce qu'on fait? On a une première approximation. On a une première approximation, c'est ce qu'on appelle modèle de la diode à seuil. Modèle de la diode à seuil. Alors là, vous avez la diode, elle est soit bloquée, soit passante, oui, mais elle est bloquée lorsqu'elle est, bon, là, c'est pas VF, c'est V seuil. Alors, lorsqu'elle est inférieure à V seuil. D'accord? C'est-à-dire que, là, V seuil, c'est pas zéro. Zéro, c'est pour l'isolel. V seuil, lorsque la diode est bloquée, lorsque VD est inférieur, VD est inférieur à V seuil. Pour des valeurs supérieures, eh bien, le courant, il est constant. Pour des valeurs supérieures à V seuil, nous avons CV seuil. D'accord? VD, CV seuil. OK? Là, il y a A et K, c'est pour dire que A, c'est anode, K, cathode, A, c'est-à-dire c'est la partie P, d'accord? C'est le point qui est relié à la partie P et K, c'est le point qui correspond à la partie N. Il y a une deuxième approximation, donc c'est le modèle de la diode linéarisée. Et c'est celui-là qu'on va utiliser pratiquement. D'accord? Donc, le schéma équivalent lorsque la diode est passante, c'est-à-dire pour des valeurs inférieures à V seuil, le schéma équivalent, c'est une résistance RD, c'est ce qu'on appelle la résistance dynamique, et avec une force électromotrice, avec un générateur de tension V seuil. D'accord? Voilà, V seuil, constante. Et pour des valeurs inférieures, eh bien, c'est zéro. Mais c'est un interrupteur ouvert. C'est la même chose. Voilà.
Donc, est-ce que vous avez compris ces modèles pour la diode? D'accord, très bien. Alors, je continue. Nous, comme je l'ai dit, on va adopter pratiquement ces modèles-là, mais dans un premier temps, dans les exercices, on va utiliser le modèle de la diode guidée. On va utiliser le modèle de la diode guidée. D'accord. Mais on va pas utiliser la diode réelle. La diode réelle, on va l'utiliser dans certains cas que, justement, on va voir maintenant. Maintenant, on peut voir, on peut commencer par entamer maintenant la diode dans les circuits. Et justement, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on veut faire. Alors, regardez là, donc vous avez un circuit. Voilà. L'autre circuit, c'est celui-là. Alors, je note que le E0, c'est une tension continue, constante. E0. Et puis, vous avez une résistance et puis une diode. D'accord. Alors, le problème qui se pose dans les circuits, c'est que en utilisant le modèle, en utilisant la caractéristique réelle, c'est que je ne connais pas le courant qui circule et je ne connais pas la tension des. D'accord, c'est un grand problème. Parce que regardez, que si vous rappelez dans un circuit, par exemple, j'ai un circuit constitué uniquement de E0 avec une résistance R1 et puis une résistance R2. Alors, pour déterminer le courant qui circule dans le circuit, qu'est-ce qu'on faisait? Je vous pose la question. Oui. Oui, imaginez par exemple que vous avez deux résistances. Un circuit constitué d'un générateur E0, d'une résistance R1 et d'une résistance R2. Alors, la loi de la maille, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc E0 égale R1 plus R2, alors facteur multiplié par le courant I. D'accord. Et vous voyez que c'est très simple de déterminer et le courant qui passe dans le circuit et la tension au bord de chaque résistance, n'est-ce pas? Oui, en utilisant la loi d'Ohm. Donc là, c'est très, en ayant des résistances, c'est très simple. D'accord. Il suffit juste d'écrire l'équation de la maille et puis en ayant les éléments du circuit, bien sûr, j'aurai E0, je vous donne R1, je vous donne R2, vous pouvez le faire. Mais maintenant, j'ai une diode. Alors, comment vous allez me déterminer le courant qui circule dans la maille et la tension au bord de la diode? C'est un problème, vous savez. Parce que, voilà, si j'utilise la forme exponentielle, parce que on le connaît, hein, ID en fonction de l'ID exponentielle KT, d'accord. On connaît la forme. En tout cas, ça sera vraiment compliqué analytiquement de trouver ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Yannick? Et c'est une méthode très simple. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va tracer la droite de charge. Alors, qu'est-ce que c'est que la droite de charge? Donc, pour déterminer quel est le courant qui circule ici et quelle est la tension au bord de la diode, bon, en ayant bien sûr la caractéristique. Bon, là, je suis du côté bien sûr polarisé en direct, hein, c'est-à-dire côté positif. D'accord. En ayant la caractéristique réelle, qu'est-ce que je fais? Je dois tracer la droite de charge pour déterminer le point de fonctionnement de la diode. Alors, le point de fonctionnement de la diode, c'est justement c'est ce qui nous permet de déterminer les coordonnées. Alors, les coordonnées de ce point-là, ça sera VD0, oui, et ça sera IB0. Alors, ça, c'est en régime statique.
c'est-à-dire en régime continu. Donc, j'ai dit, je considère que la force électromagnétique est positive et puis elle est constante. Donc, en régime statique. Donc, on va polariser la diode. D'accord? Tel que c'est représenté comme ça dans le circuit. Donc, on a polarisé la diode et on l'a polarisé en direct. D'accord? On l'a polarisé en direct. Alors, on va représenter la droite de charge. Alors, la droite de charge, qu'est-ce que c'est? Elle me représente ID en fonction de VD. Donc, le courant ID en fonction de VD. Qu'est-ce que je fais? Je vais écrire l'équation de la maille. Alors, l'équation de la maille, je suis désolée, j'ai pas utilisé l'éditeur d'équation parce que j'étais pressée. Alors, E0 égale à RID plus VD. D'accord? L'équation de la maille, E0, c'est RID plus VD. Comme on l'a dit, une diode, c'est un récepteur, donc la tension, elle est dans le sens contraire au passage du courant. Et le courant ne peut passer que dans ce sens-là, dans le sens de la flèche. Dans le sens contraire, il est nul, la diode est bloquée. Alors, quand j'écris l'équation de cette maille, je vais tirer ID en fonction de VD. D'accord? Donc, ID, c'est moins VD sur R plus E0 sur R. Est-ce que c'est clair? Les jeunes, est-ce que c'est clair ici? Très bien, parce que j'ai pas bien noté les grandeurs, mais ID, c'est moins VD sur R plus E0 sur R. Alors maintenant, pour tracer cette droite, regardez, cette droite de charge. Alors, je prends, donc, pour tracer une droite, il me faut deux points. Alors, ID égale 0, VD, c'est E0, regardez. Vous pouvez même utiliser cette première équation de Mike. ID égale 0, BD égale E0, d'accord? Et donc, voilà, c'est le premier point. Voilà. Le deuxième point, pour BD égale 0, ID égale à E0 sur R. C'est E0 sur R. Voilà, j'ai mes deux points, d'accord? C'est ce que j'appelle, je joins donc les deux points, et j'obtiens ma droite de charge. Maintenant, le point d'intersection de cette droite de charge avec la caractéristique de la diode me donne le point de fonctionnement. Et ce point de fonctionnement, il détermine le courant, au bord, le courant qui circule dans la maille et la tension aux bornes de la diode. Est-ce que vous avez compris comment on détermine le courant qui passe ici et la tension au bord de la diode. Je peux le déterminer Oui, il n'y a pas un autre moyen de déterminer. Pourquoi? Parce que là, j'utilise la caractéristique réelle. D'accord. Maintenant, si je prends la deuxième approximation, c'est-à-dire celle-là, si je prends celle-là, donc je n'ai plus la forme réelle. Et donc, je peux déterminer, si je représente, attendez, je reviens sur mon circuit, c'est-à-dire si je représente si j'utilise la deuxième approximation, c'est-à-dire je représente la diode par un générateur de force électromagnétique B seuil avec une résistance RB. Dans ce cas, oui, d'accord. Dans ce cas, oui. Tu as compris? Tu as compris?
Oui, mais c'est Hadik dans la deuxième approximation. Pas parfait, pas parfait. Avec, on l'appelle diode linéarisé avec seuil. Voilà, ça s'appelle diode linéarisé avec seuil. D'accord. On peut aussi prendre la première approximation, diode avec seuil. Donc, et là, quel que soit, c'est-à-dire on considère que la tension au bord de la diode, c'est toujours V seuil. Attendez, je dois annoter pour que vous arriviez à comprendre de quoi il s'agit. Voilà, regardez. Si je représente la diode, donc, ce modèle-là, là où je suis en train de représenter, ça s'appelle modèle, je ne l'ai pas écrit ici, j'ai oublié, c'est le modèle de la diode à seuil. Modèle de la diode à seuil. C'est-à-dire que la tension au bord de la diode, c'est toujours des seuils. C'est toujours des seuils. Regardez, c'est le schéma équivalent ici. C'est toujours des seuils. D'accord? Donc, c'est un générateur des seuils. Si, et puis dans le cas de la diode linéarisée à seuil, donc la tension au bord de la diode, c'est RD, ID, plus V seuil, plus V seuil. D'accord. Donc, ça dépend quel est le modèle, où est-ce que vous travaillez. Là, nous sommes dans un cas réel, c'est-à-dire j'utilise la caractéristique réelle. Si j'utilise pas la caractéristique réelle, si j'utilise la caractéristique linéarisée avec seuil, j'aurai VD, je la remplace donc le schéma équivalent par son schéma équivalent, j'écris l'équation de la maille et je peux déterminer VD. Tu as compris, Agari? Voilà, donc moi, pour le moment, je suis dans un cas réel. Donc là, je n'utilise aucun schéma équivalent pour la diode. D'accord? J'utilise la caractéristique réelle et donc je me remplace la diode par rien du tout. Je la laisse telle qu'elle est. Et pour déterminer les coordonnées du point de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement. On l'appelle aussi point de repos. Hein? D'accord? Vous pouvez le trouver dans la littérature. Il y en a la documentation, si vous cherchez. Vous pouvez trouver, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Pardon, excusez-moi. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Je cherche à annoter. Voilà. Et après, quand je représente la droite de charge, donc le point d'intersection ici, d'accord, représente le point de fonctionnement. Je peux déduire et le courant et la tension au bord de la diode. On l'appelle point de fonctionnement ou bien point de repos. Et puis là, nous sommes au régime statique. D'accord. On commence toujours par le régime statique. D'accord. Donc, vous devez, ici, vous devez retenir les mots-clés suivants. Alors, la droite de charge, le point de fonctionnement, le régime statique, la polarisation aussi de la diode. On dit aussi qu'on polarise la diode. La diode est polarisée. Elle est polarisée toujours en régime statique. D'accord. Quand je dis régime statique, c'est que j'ai une polarisation de la diode. Donc, maintenant, je passe au slide suivant. Là, je passe au régime dynamique. C'est-à-dire que, en plus de la tension continue que j'avais ici, qui était constante, je rajoute, donc, je superpose. Attendez, je dois annoter comme d'habitude. Je superpose à cette tension une tension sinusoïdale alternative. D'accord. Et donc, là, c'est surtout pour les faibles signaux et les basses fréquences. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais écrire l'équation de la maille et je vais chercher, si vous voulez, comment le point de fonctionnement de la diode, dans ce cas, comment il se déplace? Quelles sont les valeurs, les coordonnées du point de fonctionnement dans ce cas? Alors, n'oubliez pas que cette tension sinusoïdale, donc elle varie en fonction du temps. C'est Em cosinus oméga t. Quand j'écris l'équation de la maille, j'aurai E0 plus E2t égale à RIDT, ID, plus
plus VD. Donc tout maintenant, toutes les et le courant et la tension au banc de la et le courant dans le circuit et la tension au banc de la diode varient en fonction du temps. Alors, la droite de charge, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que là, regardez, j'ai exprimé ID en fonction du temps. ID, oui, en fonction de VD. D'accord? Et je constate, bien sûr, que le courant, maintenant, il varie en fonction du temps. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le E de T ici, elle a une forme sinusoïdale. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas trouvé un schéma, Yannick, qui peut nous montrer ça de façon plus claire. Je suis désolée, mais je sais pas si normalement vous pouvez suivre. Alors, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher les points extrêmes. C'est-à-dire, E de T, elle varie entre quoi et quoi? Entre plus EM et moins EM, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Oui, madame. D'accord. Je voulais juste m'assurer. Alors, regardez maintenant ici. Voilà. E de T. Elle aussi entre deux valeurs, plus EM et moins EM. Bon, là, j'aurais, oui, allez, je pense que je me suis daté, donc plus EM et moins EM. Donc, si je prends ici la valeur, la première valeur extrême plus EM, j'aurai quoi? J'aurai ID max, d'accord? ID max égale à moins 1 sur R VD plus E0 plus EM sur R, n'est-ce pas? Et donc, vous aurez la première droite, donc elle aura, bon là j'ai mal représenté, elle sera, donc elle va passer comme ça. Attendez, je peux peut-être oui. Elle va couper comme ça. Et elle correspond à E égale E max. Et puis, en tout cas, il y a un exercice dans la série qu'on va traiter avec ça. Pour le moment, essayez juste de me suivre. Et puis, pour la deuxième valeur extrême, j'aurai une droite comme ça. D'accord. Donc, les deux, elles vont couper ici. Et puis, donc, il y aura une infinité, si vous voulez, de droites de charge qui vont être dans ce sens, comme ça, parallèles. D'accord? Comme ça, elles sont parallèles. Comprises entre la première que j'ai représentée ici. Que j'ai représenté ici et la dernière que j'ai représentée ici. D'accord. Et au milieu, là, vous avez le point de fonctionnement que nous avons déterminé tout à l'heure. I de 0 et V de 0. D'accord. Donc, il y a ici une infinité de droites de charge. En tout cas, elles sont tous délimitées par les deux droites que je viens de parler, dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc, le point de fonctionnement, c'est quoi? C'est l'intersection de la droite, de ces droites de charge avec la caractéristique. Donc, finalement, votre diode peut fonctionner en tous ces points. Et donc, vous avez courants et des courants continus, des courants et puis des tensions qui varient en fonction du temps. Et c'est ce que j'ai représenté ici comme les ondulations que j'ai représentées là. Donc,
cette ondulation, c'est, ça correspond à la variation de la tension, et cette ondulation correspond à la variation des courants. Sauf que, on doit utiliser, ici pour la tension sinusoïdale, on doit utiliser des faibles signaux. Pourquoi ? Pour rester toujours dans la partie linéaire de la caractéristique. D'accord ? Dans la partie linéaire, pour qu'on puisse justement, utiliser le modèle de la diode linéarisée deuxième approximation à seuil. D'accord ? Donc là, on devrait rester dans le domaine de linéarité. Voilà, en tout cas, le ID, il s'est compris entre ces deux valeurs-là, et VD, elle s'est comprise entre ces deux valeurs-là, c'est les points d'intersection avec les axes. J'ai dit, il y a un exercice, on va dans cet exercice, on va revoir cette partie de façon détaillée avec les calculs analytiques. Est-ce que c'est clair ici? D'accord. Donc, je continue. Là, ça concerne le point de fonctionnement de la diode. Maintenant, on passe aux applications de la diode. Alors, les applications, il y a plusieurs applications. La première application, c'est le redressement. Alors, le redressement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il permet de transformer une tension alternative en tension continue. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on a appris, c'est que la tension continue, c'est une tension pratiquement stable, n'est-ce pas? Je vous pose la question. On est stable. Eh bien, non. La tension continue. Ce terme-là, tension continue, elle recouvre plusieurs sens. La première, elle peut être stable, constante, d'accord, on appelle cette tension continue, oui. Elle peut être variable, mais dans un seul, c'est-à-dire variable, soit positive, soit négative, et c'est-à-dire, elle ne change pas de signe, c'est-à-dire que c'est une tension qui est dans le même sens, d'accord, qui reste dans le même sens, unidirectionnel, d'accord. C'est-à-dire qu'elle ne varie pas dans le sens opposé, elle peut changer d'amplitude, mais par exemple, c'est une tension positive, elle reste positive, elle peut descendre, elle est à 8, elle peut descendre à 7, elle peut descendre à 6, mais elle ne descend pas au-dessous de 0, elle ne devient pas négative, d'accord. Et puis, voilà, donc... Et puis elle peut être aussi variable, signal sinusoïdal, mais toujours positif. D'accord. Est-ce que je vous choque ici? Très bien, très bien. Mais d'après vos connaissances, pour vous, une tension continue, c'est stable, c'est constant. Eh bien, c'est pas uniquement constant. D'ailleurs, en anglais, in English, we said direct current, d'accord? Direct current, c'est une tension. En français, j'ai pas trop. Enfin, en français, c'est tension continue, ok? Current, c'est courant, donc courant continu. Mais continue, attention, ça recouvre plusieurs sens. C'est pas uniquement constant. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour le redressement. C'est que nous allons transformer, enfin, le circuit de redressement, il permet de transformer une tension alternative, comme vous voyez ici, en une tension redressée, en une tension continue. Continue veut dire que la valeur moyenne n'est pas nulle. Voilà. Je l'ai défini ici. Valeur moyenne non nulle. Dans ce cas, la valeur moyenne, elle est positive. Attention, on peut même trouver un redressement dans l'autre sens. C'est-à-dire que on garde l'alternance négative et c'est l'alternance positive qui est supprimée. D'accord? Donc, on sait clair ici que le redressement, on l'appelle redressement, j'ai pas écrit son, ah bah oui, c'est,
Désolée, je n'ai pas écrit son appellation. On l'appelle redressement simple alternance ou mono-alternance. Ça veut dire quoi? À partir d'un signal alternatif, donc sinusoïdal, on arrive à produire une tension qui est mono simple alternance, c'est-à-dire on garde l'alternance positive et l'alternance négative est supprimée, est annulée. D'accord? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a écrit ici? Bon, j'ai dit pour une diode idéale, voilà, là, pour une diode idéale, j'ai exprimé la tension, parce que ce qui nous intéresse ici, je ne l'ai pas noté ici en utilisant les tensions. Là, c'est une tension, c'est la tension VR. Et c'est la tension VR ici que je cherche. Alors, la tension au bande de R, c'est si je considère que la diode est idéale, donc quand elle est passante, donc c'est un court-circuit, d'accord? C'est un court-circuit, voilà, ça passe, et donc la tension bande de R, ça devient E, d'accord? Quand elle est bloquée, elle est bloquée dans la deuxième alternance, c'est-à-dire dans l'alternance négative. On ne peut pas y avoir un courant qui passe dans l'autre sens, la diode est bloquée, donc la tension est nulle, d'accord? Et c'est ce que j'ai exprimé ici, donc VR égale E. Pour T compris entre 0 et T sur 2, parce que là c'est T sur 2 et là c'est T. D'accord? Et elle est égale à 0 pour des tensions comprises entre T sur 2 et 0. Voilà. Maintenant, en utilisant le modèle de la diode linéarisée à seuil, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diode par son schéma équivalent qui est la V seuil, c'est-à-dire un générateur de pour cette électromotrice des seuils, en série avec une résistance RD. C'est la résistance dynamique, on l'appelle résistance dynamique. D'accord? Et puis, je tire VR, et donc dans ce cas, cette VR est égale à ceci pour E supérieur à VS, d'accord? Et elle est égale à 0 lorsque E est inférieur à VS. Donc, ce que j'ai représenté ici, c'est le cas de... C'est le premier cas, c'est-à-dire dans le cas de la diode idéale. Donc, pour le deuxième cas, si on considère que VSE est très faible et que RD est très faible, on rejoint aussi le cas de la diode idéale. Donc, là, c'est le cas général. D'accord? Il y a trois paramètres ici à déterminer qui sont très importants dans le redressement. Alors, si vous avez un signal comme ça, c'est un signal redressé. On définit, bien sûr, on doit donner sa valeur moyenne, on doit donner sa valeur efficace, on doit donner aussi le taux d'ondulation, son taux d'ondulation. D'accord? Parce que généralement, le but, c'est de générer un signal continu, stable, à partir d'un signal alternatif. Donc, on cherche à ce que le signal ici soit constant, mais ça va faire l'objet de la prochaine application. D'accord? Donc, quand c'est 1,21, c'est trop grand. Le taux d'ondulation, donc ça vous donne une idée sur, sur votre signal redressé, s'il est ondulé ou il est presque constant. D'accord? Donc, ça vous donne une idée sur la forme du signal redressé. OK? Donc, là, il y a comme je l'ai dit, la valeur moyenne, la valeur efficace. Là, c'est la valeur efficace, hein, au bord de la résistance, toujours, et puis le taux d'ondulation. Alors, la valeur moyenne, c'est EM sur pi, d'accord? EM sur pi, voilà, c'est si je prends le cas de la diode idéale, vous pouvez déterminer, hein, la valeur moyenne, comment la définissez? C'est 1 sur T, l'intégrale de V dt, c'est ça. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre le cas idéal et vous faites le rôle, vous trouvez que c'est EM sur T. Voilà. L'expression de E dt, c'est EM sinus omega t. Tout à l'heure, je l'ai pris EM cosinus omega t. Qu'est-ce que je...
Oui, alors là, je vais corriger. Enfin, c'est juste pour uniformiser le. D'accord? Donc, vous prenez sinusoïde, c'est mieux, c'est plus simple, hein, parce que c'est une sinusoïde qui commence par zéro, qui monte. Et par contre, le cosinus, je crois qu'elle commence par le sommet, cosinus. Elle commence par là. Donc, je préfère le sinus. D'accord? Donc, même pour ça, je devrais corriger. Alors. Voilà, vous pouvez déterminer la valeur moyenne, vous pouvez déterminer la valeur efficace, d'accord? Je vous ai donné juste les résultats. Donc, comme je l'ai dit, je voulais pas faire ce cours détaillé trop. Donc, je vais donner enfin, les grandes lignes, je vous explique et c'est à vous de chercher. Et puis, le taux de ondulation, je vais en parler tout à l'heure avec le redressement. Sur une cellule RC. Voilà. Là, je vais parler de taux d'ondulation pour vous expliquer comment on les détermine. Alors, ici, c'est une deuxième application pour la diode. Donc, c'est le redressement sur une cellule RC. C'est ce qu'on appelle filtrage. Et ça vous permet de filtrer et vraiment enfin d'obtenir et de produire un signal presque, on va dire, stable, continue, constant. Alors, là, comme vous voyez, vous avez votre tension alternative, vous avez votre diode, et puis on place une cellule RC ici. D'accord? On branche une cellule RC. R parallèle à C. La tension redressée, parce que là, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, je pense que c'est l'objet du dernier TP. Hein. Si Inch'Allah, vous pourrez faire le TP, enfin, y aller à la rentrée, si vous ferez votre TP, vous allez justement, ça sera un TP sur ce cours-là. Si vous mettez votre attendez juste pour annoter. Voilà. Si vous mettez votre oscilloscope là, au bord du condensateur, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe ceci, ce qui est représenté en rouge. D'accord? Donc, c'est une ondulation. Ça, c'est ce qu'on appelle une ondulation. Un signal périodique qui se répète et c'est un signal continu parce qu'il est positif. Et là, il est dans un seul sens. Et puis, ce qui est représenté en ligne discontinue, c'est la courbe du signal redressé simple alternant. C'est celui qu'on avait trouvé uniquement avec la résistance, totalement. D'accord. Mais là, ce qu'on obtient maintenant, on obtient avec la cellule RC, on obtient le signal en rouge. Alors, ici, donc, comme je l'ai dit, les deux T, c'est-à-dire, le signal en rouge, le signal, c'est V0 plus V ondulé. Alors, V0, ça représente quoi? Ça représente, attendez, ça représente la valeur moyenne de cette ondulation. Donc, à peu près, elle est quelque part ici. Comment la déterminer? Je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est pas la valeur, c'est la valeur moyenne. C'est pas un demi, c'est 1 sur t. 1 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t, v de t de dt. Très bien. C'est la valeur moyenne. Je l'ai mis ici. Vous arrivez à voir rien que V0, c'est la valeur moyenne de V2. La valeur efficace, c'est la racine carrée de 1 sur T, l'intégrale de V au carré T, dT. D'accord? C'est la même chose. La valeur moyenne, c'est une chose, et la valeur efficace, c'est une chose. Et puis, je pouvais revenir sur mon premier cours dans le régime sinusoïdal. C'était détaillé, d'accord? Je vous renvoie
là-bas, normalement, c'était bien expliqué. Alors, quand vous avez une ondulation comme ça, elle a une valeur moyenne. Et il y a une autre façon de déterminer la valeur moyenne d'un signal périodique. Comment? Il y a une valeur très simple, une méthode plus simple. Vous ne voyez pas. Alors regardez, toute valeur moyenne, pour un signal, par exemple, sinusoïdal. Pour un signal sinusoïdal, attendez, je reviens ici. Pour ce signal variable qui est alternatif sinusoïdal, sa valeur moyenne est nulle. Ça représente quoi en fait? Ça représente la valeur max plus la valeur min sur 2. Faites-le et n'ayez pas peur. Vous aurez la valeur moyenne. Alors par exemple, on va dire la valeur moyenne ici, EM ici, par exemple, elle est à plus 3. Ou rien, c'est moins 3. Alors vous avez plus 3. Plus moins 3 sur 2, ça fait 0. Alors, tout signal alternatif, bien sûr périodique, sa valeur moyenne est nulle. Par contre, par exemple, le signal HEV a redressé, sa valeur moyenne n'est pas nulle. D'accord? Attendez, on va revenir sur notre cas. Voilà, je vais revenir ici. Là, j'ai une ondulation. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai la valeur max ici et j'ai la valeur min ici, ça va faire quoi? Ça va faire V max, d'accord, plus V min sur 2. Et vous aurez votre valeur moyenne. D'accord? Voilà, donc c'est une autre façon de déterminer la valeur moyenne. C'est la valeur maximale plus la valeur minimale sur 2. Ou bien, si vous voulez, vous amuser à faire... l'intégrale et tout, il n'y a pas de problème. Mais il faut le vérifier. Maintenant, donc V0, c'est clair, ça représente la valeur moyenne. La tension d'ondulation, c'est une tension qui varie en fonction du temps. D'accord? Alors, la tension, ce que j'entends par V-ondulation, c'est une tension, c'est-à-dire indépendante de V0. C'est-à-dire, quand j'annule, je considère que je reviens à la notation. Donc, voilà. Attendez. Donc, la valeur moyenne, elle est là, pratiquement. On va dire ici. D'accord. Alors là, c'est la valeur moyenne. J'ai dit la tension V de l'ondulation. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est la tension en dehors de V0. C'est-à-dire quand je prends mon axe des temps superposé sur V0. Est-ce que vous avez compris? Non, ce n'est pas uniquement ce qu'il y a au-dessus. Toute l'ondulation, mais c'est-à-dire en supprimant, écoutez, sur l'oscilloscope, quand vous supprimez quand vous mettez sur AC, on vous met uniquement la composante alternative du signal. Parce que ce signal-là, regardez, V2T, tel qu'il est représenté comme ça, c'est quoi? Comme s'il a deux composantes. Une composante continue qu'on appelle V0, que j'ai représentée ici par une ligne droite, plus une composante alternative. D'accord? Donc, quand je supprime la composante continue, et je considère que j'ai uniquement la composante alternative. Vous avez compris. Alors, sur l'oscilloscope, on peut le faire sans problème. Quand je me mets sur AC, il nous ramène le signal qui est là, il nous le ramène ici.
D'accord, il nous le ramène ici comme ça. Il nous le ramène sur l'axe sur l'axe des temps ici. Vous avez compris? Comme si je déplace mon V0, je le déplace en V égale 0. Voilà. Donc, la tension d'ondulation, je la considère, je la traite séparément à V0. Donc, V de T, c'est une tension d'ondulation. Alors, cette tension d'ondulation, donc, elle présente c'est-à-dire le delta V. Alors, le delta V, qu'est-ce que c'est? C'est V max moins V min, c'est-à-dire crête à crête. C'est la tension d'ondulation crête à crête que j'ai appelé ici le delta V. D'accord? Bon, je ne vous ai pas expliqué le phénomène ici, qu'est-ce qui se passe en fait. En fait, qu'est-ce qui se passe ici dans ce circuit? Vous avez, on obtient, comme je l'ai dit, cette tension dans le condensateur, et ça correspond à quoi? En fait, le condensateur, il se charge tout à fait au départ. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand la tension ici diminue, parce qu'il se charge jusqu'à EM, ensuite, quand la tension commence à diminuer, c'est bon, parce que le condensateur, il ne peut pas, la tension ici devient inférieure à celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se décharger dans R. Il ne peut pas se décharger dans ce, c'est-à-dire le courant, ne va pas passer par là. Attendez, je dois annoter. Pourquoi? Parce que la diode, dans ce cas, elle est dans le sens bloqué. D'accord? Donc, le condensateur, quand il se décharge, donc le courant, tout le courant, il va passer uniquement dans R. Le courant ne pourra pas passer dans la diode. Elle sera bloquée parce que ce sens-là, c'est le sens bloqué. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Et donc, le condensateur se décharge uniquement dans R. Et la décharge, justement, elle est représentée par cette courbe-là. D'accord? Donc, il y a charge, décharge, charge, décharge, charge, décharge. Bon, il se trouve que, bien sûr, la décharge, le temps de la charge, c'est RC. C'est RC, d'accord? Vous l'avez vu normalement l'année passée en électricité. Vous avez fait charge et décharge. Comment, hein? Non, mais l'année passée en électricité, vous n'avez pas vu la charge et décharge d'un condensateur? C'est grave. En tout cas, le temps de la charge, c'est ce qu'on appelle la constante de temps, c'est RC, c'est le temps de la charge. Alors, le temps de la charge, il est très, 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 très faible devant la période T. D'accord? C'est-à-dire le temps de la charge. Ce temps-là, c'est le temps entre c'est le temps de la charge. Il est très faible. Comme il est très faible, on peut considérer que pratiquement, le condensateur, il se décharge dans R dans un temps très, très grand. D'accord? Et donc, là, on va jouer sur RC. Si on augmente, RC devient plus grand, on aura ici le delta V plus faible. Regardez. Delta V, c'est EMT sur RC. Bon, là, je ne vous ai pas développé les calculs, mais en tout cas, c'est ce qu'on obtient, d'accord? Juste pour comprendre le phénomène, c'est EMT. C'est la période sur RC. Alors, quand RC augmente, qu'est-ce qui va se passer? Le delta V diminue. C'est le cas ici. Donc, si on cherche à avoir un signal continu, stable, constant, on n'a qu'à augmenter RC. On n'a qu'à diminuer RC. C'est ça ou l'a augmenté? Augmenter. Diminuer RC. D'accord. RC faible, petit, donc delta V grand. D'accord. Donc RC
quand il devient très très faible, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le delta V ici, c'est-à-dire E max moins E min, devient très faible et on arrive à produire un signal continu ou constant à partir d'un signal sinusoïdal. D'accord. J'espère que c'est clair ici. Donc là, j'ai mis deux cas. Là, RC, dans ce cas, est grand par rapport à celui-là. D'accord. Je ne l'ai pas noté, mais je vais le faire. Donc maintenant, pour des RC très grands devant T, on a aussi EM qui se rapproche beaucoup de delta V. D'accord. Il devient pratiquement égal à delta V. Donc, quand on regarde le delta V ici, bon, là, c'est clair. Mais là, par exemple, quand le delta V il devient très, très faible, le delta V, c'est-à-dire le V0, la valeur moyenne, elle se rapproche de EM. Ils seront confondus. Quand ça devient un signal continu, vous allez le voir en TP, EM, vous n'allez pas gagner, distinguer entre EM et V0, la valeur moyenne. D'accord. Donc, ça va être pratiquement la même valeur. Donc là, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir la valeur moyenne, on l'a trouvée. Le taux d'ondulation, je reviens au taux d'ondulation, donc il vous donne une idée sur la forme de l'ondulation. Quand il est petit, plus il est petit, plus on a un signal continu constant. C'est justement ce qu'on cherche, d'accord. Alors, CV, ondulation sur V0, c'est T, c'est la période sur 2 racine de 3 RC. Alors, comment on détermine, alors V, ondulation ici, ça représente quoi? Ça représente la valeur efficace de l'ondulation, d'accord. Eh bien, on devrait la chercher. D'accord, qu'est-ce que c'est en fait? Vous avez cette expression, V, la valeur efficace. Donc, tout ce qui est grande lettre comme ça, c'est des valeurs efficaces. Alors, V au carré, V, c'est la tension bande de C. Alors, V au carré, valeur efficace au carré, d'accord, de quoi? De V de T. D'accord. V, c'est la valeur efficace de V de T. V, 0 au carré, c'est la valeur moyenne, d'accord, au carré, plus la valeur efficace de l'ondulation au carré. Donc, l'ondulation est traitée séparément, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi le facteur de forme, c'est la valeur efficace sur la valeur moyenne, la valeur efficace de V de T. Et puis, donc, vous avez cette relation entre le facteur de forme et le taux d'ondulation. J'espère qu'on aura traité un exercice pour vous expliquer, en fait, comment déterminer la valeur efficace d'ondulation. Et puis la valeur efficace ici, etc. D'accord. Là, je vous ai donné, pas développé, je répète, je vous ai donné juste les formules, d'accord, parce que ça prend beaucoup de temps. On verra peut-être bien qu'on verra dans un exercice. Alors, maintenant, il y a une autre application pour la diode, c'est la diode ZNR. D'accord. Alors, l'application de la diode ZNR, elle permet de stabiliser la tension. Mais dans le sens inverse. En fait, comme je l'ai représenté ici, la diode ZNR, son schéma électrique, c'est celui-là, d'accord? Sauf que elle est utilisée dans le sens, c'est-à-dire que sa propriété, sa caractéristique, elle impose son utilisation dans le sens inverse, c'est-à-dire polarisé inverse, c'est-à-dire que le courant, attendez, le courant dans la diode ZNR, il circule dans ce sens, c'est-à-dire elle est utilisée, elle peut, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans les deux sens, mais en tout cas, dans ce sens-là, elle agit comme une diode normale, d'accord?
en direct, la diode ZNR se comporte comme une diode normale. Mais l'effet ZNR, cette propriété de la diode ZNR, elle se produit à une tension déterminée de VZ, donc quand elle, quand le courant passe dans le sens inverse. Voilà. Comme je l'ai représenté ici. Donc le courant, il passe comme ça, et VZ, on est dans ce sens. Dans ce cas, la caractéristique dans le sens inverse, donc la caractéristique dans l'inverse, la diode ici, on fait de sorte à ce que la diode, elle ne sera pas claquée, elle ne sera pas, détériorée. D'accord? On cherche à stabiliser la tension, en tension VZ. D'accord? Et la diode, elle ne sera pas détériorée. Voilà, donc là, également, c'est comme pour la diode dans le sens direct, on peut lui donner aussi un schéma équivalent, linéarisé. On peut lui donner une représentation, c'est-à-dire la caractéristique, on peut lui donner cette représentation linéarisée aussi. D'accord, avec une résistance RZ aussi. Mais généralement, on l'utilise surtout avec une caractéristique où vous avez UZ0 constant. D'accord. Il y a une autre que je n'ai pas représentée ici. Donc, il y a, comme je l'ai dit, voilà, j'ai représenté les schémas équivalents. Donc, le schéma équivalent, il est soit représenté comme ça, c'est ce schéma, donc c'est la caractéristique de l'arrivée, le soit, il est représenté comme ça. D'accord. Et généralement, on la représente de cette façon, donc sans résistance interne. Ok. Donc là, c'est un effet non destructif. Et la diode ici, elle n'est pas détruite. Bon, pour la diode ZNR, il y a des paramètres à déterminer, mais je ne sais pas, on n'a pas vraiment. Peut-être bien qu'on va traiter ça dans un exercice. Je vais ici expliquer en général le fonctionnement de cette diode et la propriété principale de cette diode. Voilà. Sur cela, normalement, on a fini. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Et pour les autres, je ne sais pas qui est avec nous, je vais voir. Le reste oui, est à l'heure, madame. D'accord, c'est madame.